Salut, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir ma boutique. Il y a des tas d'objets à l'effigie de mes vidéos, du roleplay prison, du roleplay école, des vidéos avec mon fils et plein d'autres choses. Donc tu trouveras des t-shirts, des mugs, des sacs, des stickers et plein d'autres choses. Donc le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller acheter des produits et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Et bonjour tout le monde, Soximos, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui les amis, si je reproduis des cochons, si deux cochons font un petit cochon ensemble, et bien la vidéo s'arrête. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Comme d'habitude, pensez à lâcher un maximum de likes et évidemment abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Je sors des vidéos tous les jours et je charbonne à fond. Donc la dernière fois on avait apprivoisé un clébard. Il est où? Il s'est déjà enfui le... Non mais ne me dites pas que j'ai déjà perdu. C'est-à-dire que là, j'ai déjà plus de chien, là. Ok, donc j'ai apprivoisé un chien. Il y a... là, je tourne quelques heures après, mais je veux dire, j'ai quitté le jeu, il y a même plus de chien. Donc là, j'ai apprivoisé un chien. J'allais me connecter, j'allais vous dire... donnez-lui un nom. Mais wesh, mais il est où? Attendez, je l'ai pas fait asseoir après? Non, mais j'hallucine. Il est où, mon chien? Mon chien! Mon chien! Mais non, mais j'hallucine! Mais non, je voulais un chien depuis tellement longtemps, mais c'est du foutage de gueule! Bon bah les gars, c'est pas grave, aujourd'hui on a des choses à faire, plein de choses, voilà. Notamment, bah, reproduire des petits cochons, voilà. Un cochon et une cochonne. Bon, vas-y, on va arrêter là. Je suis sûr, je l'ai pas fait asseoir juste là pour pas qu'il parte. C'est abusé les gars! Ça se trouve, je me suis dit, il est peut-être au mouton en train de tous les buter, mais non. Visiblement, non. Bon, bah écoutez, j'ai paumé le chien. Son espérance de vie a été littéralement de même pas une minute. Parce que entre le moment où je l'ai trouvé et le moment où je l'ai adopté, bah, il s'est même pas passé une minute. Donc, j'ai le seum. Voilà, je vous le dis, j'ai le giga seum. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a plein de trucs à faire. Notamment couper du bois pour faire du bois, du combustible. Et avec le combustible, on cuit. On cuit des trucs. Vous voyez, on n'a rien à cuire ici. Il faut juste vite fait mettre, histoire que ça charbonne un peu de bois. Voilà. Et bah justement, il faut que ça charbonne tout simplement. On va aller dormir pour que le temps passe tout simplement. Et pour qu'il fasse jour pendant qu'on fait la vidéo. Et voilà. Et après, on ira essayer d'apprivoiser un cochon qui est là. Alors, soit le cochon qui est dans l'enclos et un autre cochon qu'on trouvera à côté. Soit le même cochon et le cochon que j'ai apprivoisé qui est juste là. Donc voilà, on verra bien, on verra bien. Faut pas que je bouffe toutes les carottes non plus. Là ça n'a pas poussé mais ça n'a pas poussé. Mais regardez là j'ai pas mal d'œufs. Alors en fait ce que je vais faire, j'ai choisi un truc. C'est que ici, regardez, on va mettre pas mal d'œufs comme ça. Voilà. Et en fait tout ça, ça va être juste une machine à œufs. Je vais tuer aucun poulet. Et en fait tous les poulets que je vais tuer, ça va être ceux-là. Donc en gros ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à l'intérieur à chaque fois. Je vais jeter tous les œufs, je vais attendre qu'ils grandissent et une fois qu'ils ont grandi, bah je les tue. Voilà. Eh oui, c'est cruel, mais c'est comme ça, c'est la vie, les amis. Donc voilà, on fait ça comme ça à chaque fois. Tac, tac, tac. Donc là, il y a plein de petits bébés. On s'enjaille, c'est trop bien. Tac, tac, et voilà. Parce que là, on peut plus mettre d'autres poulets dans les autres trucs, sinon après ils ont mal. Après ils sont éjectés et tout avec des bugs, donc j'ai pas envie que ça se passe comme ça, tout simplement. Donc voilà, on récupère tous les œufs et on les rejette. Et on attendra d'avoir suffisamment de poulets pour tous les buter et pour nous faire à manger. Alors du coup, on va aller chercher du bois. Bah il y en a à côté, hein, y en a partout. On va aller en chercher. Vraiment, le bois, c'est vraiment la ressource principale. Mais au pire, je peux casser cela. Quoique ça faisait peut-être une forêt un petit peu RP. À la base, c'était aussi pour les couper. Mais voilà, au pire, j'en replante dès qu'il y en a là en fait. Genre dès qu'il y en a là, je les replante dès que j'ai des pousses. Je pense que je vais faire ça. À chaque fois qu'il y a des pousses, je vais en replanter au plus près possible. Voilà, je remplis. Ah merde, alors attendez. Est-ce qu'il y a moyen de glitch comme ça? Ouais, voilà. Donc je vais replanter au plus près possible d'ici en fait. Comme ça, à chaque fois, j'aurai pas à me déplacer ultra loin pour couper les arbres. Ah ouais, mais ma hache, elle est déjà morte. Ok. Bon bah, c'est peut-être le moment aussi de... Bah, c'est là où j'ai replanté d'ailleurs. Là, j'ai replanté ça. C'est les arbres que j'ai déjà plantés. Ça va être le moment également de comment dire. Bah de s'enchanter des nouveaux outils et tout. Donc voilà, ça faut le faire. C'est important. On va casser ça. Voilà.
Hop, voilà. D'ailleurs, je sais pas si à cette date-là où je sors la vidéo, j'aurais repris les lives. Mais justement, là en ce moment, je suis plus trop de live parce que justement, je charbonne les vidéos. Oh, il y a un cochon ici. On va aller le tuer, hein. On va aller le tuer. Hop, ça nous ferait toujours un peu plus de nourriture. Et voilà. Donc ouais, en ce moment je live pas trop parce que tout simplement j'essaie de charbonner les vidéos. Je sais pas quelle rage m'a donné envie de charbonner autant les vidéos, mais j'ai envie d'en tourner 5, 6, 7, 8 par jour. Et c'est la plupart, enfin j'en tourne une par jour pour ma chaîne principale et j'en tourne 5, 6 par jour sur ma deuxième chaîne. Donc en fait chaque jour qui passe je gagne 4 jours d'avance en fait, voilà. Je gagne 4 jours d'avance. Par exemple, les 3 ou 4 ou 5 vidéos qui sont sorties juste avant, je les ai tournées aujourd'hui. En fait, il faut s'en rendre compte par rapport au t-shirt. Voilà. Par rapport au t-shirt que je porte, des fois je porte des t-shirts blancs, noirs. Bon, des fois c'est plusieurs t-shirts blancs d'affilée. Mais on s'en fout de ma vie. Voilà. Alors, on va replanter les arbres. Il y a des pommes aussi, ça c'est intéressant. Il y a du bois qui retombe ou qui est juste pas dû prendre. D'accord. Donc, ouais, là il y a pas mal de pousses, c'est cool. Vous voyez toutes ces pousses là, on va les replanter un peu au bord, comme ça, et voilà. Purée, la bouffe, c'est vraiment, ça descend mais tellement vite, c'est abusé les amis, c'est abusé. Hop, voilà, et c'est parti. On va, du coup là, le bois, il va servir pour juste cuire les trucs. Hein. Ça va juste servir pour cuire. Donc, du coup, regardez, en plus, on a un stack à peu près, c'est pas mal. On va mettre un stack partout, ça on enlève, hop, on remet. On va mettre aussi des stacks ici. Ah oh ouais, il y a plus rien là. Il y a plus rien. Oh, what the fuck? Ok, d'accord. Donc là, il y a juste du combustible à remettre. Il y a juste du combustible à remettre. Et du combustible, on en a, les gars. On en a à foison. Tac, voilà, on va en prendre. On va en mettre 64 ici. Et voilà. Donc, il y a un coffre. Il n'y a pas un coffre où je pourrais mettre tout le bois là. Ah, mais j'avais déjà du bois en plus ici. Bon bah nickel, donc tout ce qui est bois, on va mettre ça ici. Comme ça on pourra le cramer, je vous rappelle que même ça on peut le cramer. Donc c'est une bonne chose. Là il y a tout ce qui est un peu bouffe aussi. Faudrait le cuire. Ah, ça me dégoûte, j'ai plus de chien. J'ai plus de chien les amis, donc il est mort, il est décédé au combat. C'est pas très grave mais voilà. Il y a de la bouffe à cuire, donc là ça reste. Bon c'est des coffres à bordel mais c'est aussi à moitié trié quoi. C'est à moitié trié. Ça on va les tèges et voilà globalement. Globalement on est bon. Oh j'ai cru que c'était un golem. Je me suis dit mais qu'est-ce que fout un golem ici. D'accord. Ah oui voilà c'est ça qu'il faut que je fasse. Faut que je fasse des nouveaux outils aussi. Faut que je fasse des nouveaux outils. Oh mais il y a pas mal d'œufs qui ont spawné là. Voilà. Ça c'est bénef les gars. Voilà c'est parfait. Mais eux ils veulent direct sortir mais dégager. Voilà c'est bon. On va tout mettre ici. Et d'ailleurs il y a même de quoi faire pas mal de stacks de blocs là. Il y a pas mal de quoi faire pas mal de stacks de blocs. Bah déjà un stack et un stack et 21. Voilà, un stack et 21. Ça fait toujours ça de prix. C'est pas énorme, mais on est bon. D'ailleurs, si je laisse des troncs ici, parce que vous me dites, oui, mais t'as besoin de bois pour cuire les trucs. En fait, c'est tout simplement parce que le bois, je vais m'en servir pour faire... ça va pas être un mur en briques tout plat. Je vais mettre des piliers en bois et tout. Un truc assez RP finalement. Voilà. Ici il faut que je vais prendre la canne à sucre. En fait maintenant ça devient un travail à temps plein. Juste de nourrir les bêtes, de les tuer, de récolter toutes les récoltes et de tout replanter en fait. Donc c'est pour ça que je fais souvent ça en ce moment. Mais en même temps c'est un vrai travail à temps plein j'ai envie de dire. Et bah d'ailleurs ce qu'on va faire c'est juste avant de faire naître le nouveau-né cochon. Le truc qu'on va faire juste avant, c'est on va nourrir des vaches pour les tuer, pour faire des livres et pour s'enchanter. Voilà. On va pas aller aussi loin dans cette vidéo, mais vous m'avez compris. Voilà, on va au moins faire une petite partie de trucs comme ça. Il y a des creepers qui se baladent, très bien. Voilà. Ouf, il était à deux doigts d'exploser le con. Hein. Voilà. Là, ça me fait quand même pas mal de canne à sucre. Je vais avoir beaucoup de livres, hein, autant vous le dire. Mais au moins, j'aurai un stuff de fou malade. Il manquerait juste comment ça s'appelle? Les niveaux, tout simplement. Les niveaux. Donc, on peut le faire d'ores et déjà. Tout ce qui est truc de... Regardez. Là, on a canne à sucre, papier. Voilà.
Je pense qu'on a de la canne à sucre ici aussi. Ouais, 10, mais c'est quand même de la canne à sucre. Et on va tout crafter. Alors, 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3. Et voilà, on a quand même quelques stacks. Il y a moyen d'avoir des trucs sympas. Ça serait bien que... Y a pas, j'ai pas des livres qui sont déjà là. Alors déjà, ouais, c'est bon, j'ai du lapis. Et en termes de livres, on a vraiment plus de livres vierges, entre guillemets. Donc, ok. Je vais prendre la carotte avec le bâton, ça va servir. Ça va servir. Et ça, on s'en fiche aussi. Ouais, il faut vraiment que je cuise... je vais manger de la rotten, hein. Je vais manger de la rotten flesh. Je suis vraiment un bouffon. Vraiment, je suis un bouffon. Mais je peux pas m'occuper de tout. À un moment, il faut que je m'occupe des animaux, des machines, de l'entrepôt, de la bouffe. Voilà, il faut que je m'occupe de tout en même temps. Donc, on fait comme on peut. Voilà, on fait ça. Il y a pas mal de pastèques ici. Voilà. Et ici, on va se servir. Ouais, on va se servir, tout simplement. Il n'y a pas de suite à la phrase. On va se servir allègrement ici, en blé, pour pouvoir nourrir le bétail. Voilà, c'est ça qu'on aime. 60, on est bon. On est large. Et là, on replante, on nourrit et on fait reproduire les petits cochons. Comme ça, vous avez une belle vidéo aussi. Parce que, du coup, je sais pas si vous vous rappelez, mais au tout début de cette... Pourquoi j'ai perdu autant de graines? Ah non, j'ai un stack ici. Si vous vous rappelez, au début de cette chaîne, je faisais que les vidéos s'arrêtent, mais des fois, elles duraient 2 minutes, des fois, elles duraient 30 secondes, et vous m'avez dit de faire des vidéos plus longues. Donc, je fais en sorte qu'elles durent plus longtemps, sinon, j'aurais directement fait reproduire des cochons, et on se serait arrêté là. Mais je ne suis pas comme ça. Ah ouais, il commence à y avoir beaucoup de vaches quand même, hein. Il y a toujours ce foutu villageois qui est là. J'ai même pas de bloc. J'aurais bien voulu me mettre sur mon 31. Ah, j'ai même pas de bloc. Ouais, faut que je passe par là, quoi. Faut que je fasse le tour. Donc, toi, c'est pour tout à l'heure. Vous, c'est pas pour tout de suite. Vous allez finir en KFC. Ouah, toutes les vaches, comment elles sont agrippées, là. Vas-y, on se met à l'intérieur. Bain de foule, les amis. Voilà, faites des bébés. Vous aussi, faites des bébés. Vous servirez de chair à pâté. Miam, miam, miam. Allez, hop. Voilà. Allez, c'est pour... Il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Bon, j'ai 18 niveaux, c'est pas mal. Là, je dois avoir des niveaux qui traînent aussi. Voilà, ça, il faut en faire plein de bébés. Bon, elles sont même plus, elles peuvent même plus. Ok, bon, bah, moi, je vous propose qu'on fasse un truc, c'est d'aller chercher les deux cochons pour pouvoir les... Allez, viens ici, ma reine. Donc ça, c'est la cochonne, ok? Le cochon, il est là-bas. Je sais que ça se dit pas, mais c'est drôle. Allez, viens. Oh, elle a pas l'air intéressée. Viens, tu vas voir ton futur copain. Pour une fois que je laisse sortir un animal d'un enclos, en plus. Oh, regardez, la nuit tombe. Le crépuscule. Il fait sombre. Je ne vais rien montrer, les amis. Vous ne verrez pas l'acte. Si, il faut le voir, même si... C'est Piggy 18 du coup. Regardez. Coucou, regarde, je te ramène ta chérie, mec. Et là, attention les amis, la vidéo va s'arrêter. Non, la vidéo ne va pas s'arrêter tout de suite. En tout cas, mettez des likes et tout, ça fait plaisir. Abonnez-vous et... Oh là là. Et voilà.